Good morning, allez, Iden, je suis aujourd'hui le Nishmat, François Baji Ben Chana, Janine Ruth Batfotun Bazal Fritna, Claude Chombo, Shalom, Michel Abedinda et Eliaou Benish. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Michel, contactez 5 minutes éternelles, nous allons se faire de Brachot. Perek Bet Mishnah Vav, Rachatz Laila Harishon Shemeta Ishto, Amrou Lot Almidav, Lolima de Tanur Abeinu, Shavel Asuli Rachotz, Amarlem, Enikishan Koladam, Istenis Ani. En rapport avec la Mishnah précédente, où on avait vu des conduites, une conduite originale de Rabban Gamliel, à savoir, qui avait lu le Kriyat Shema le soir de son mariage, alors qu'on avait dit qu'un Khatan n'a pas besoin de lire la Mishnah, il n'a pas besoin de lire le Shema, et c'était justifié en expliquant que moi, je suis un peu différent de tout le monde, parce que je ne peux pas, moi, rester sans recevoir le Ol Malchut Shamaim, même un jour aussi, en partant que le jour de mon mariage, je suis obligé de faire cette mitzvah. À présent, on va avoir une nouvelle conduite originale et Rachatz Laila Harishon Shemeta Ishto. Rabban Gamliel s'est lavé le premier soir après le décès de sa femme, c'est-à-dire que sa femme est décédée, on va dire, un mardi. Eh bien, le mardi soir, après la tombée de la nuit, Rabban Gamliel est parti se laver. Amroulo Talmidab, ils l'ont dit, c'est Talmidim, ils l'ont dit, mais l'olima de Tanur Abeinu Shavel Asur Lichotz. Ne nous as-tu pas enseigné, notre maître, que un endeuillé, un avel, assur lichos, il n'a pas le droit de se laver? Amar lahem, enikishar kol adam, istenis ani. Il leur a répondu que c'est vrai pour tout le monde, mais moi je suis différent, parce que moi je ne suis pas comme tout le monde, je suis istenis. Je suis quelqu'un de... C'est un peu délicat comment expliquer. Quelqu'un, je souffre si je ne me lave pas. Il s'est dit, c'est quelqu'un que je suis très... j'ai très froid, littéralement. C'est un peu dur à comprendre, c'est... On va d'abord faire un petit peu d'ordre. Un endeuillé, il faut distinguer deux choses. D'abord, un endeuillé n'a pas le droit de se laver le corps à l'eau chaude. Ni même le visage à l'eau chaude, ni les mains et le visage. Il a le droit de se laver juste les mains et le visage à l'eau froide. Donc, ni tout le corps à l'eau froide, ni les mains et le visage à l'eau chaude. Rabban Gamliel, ben non, c'est la première introduction. Deuxième introduction... c'est que l'interdit pour l'endeuillé de se laver, concrètement, il n'en vigueur que le premier jour du deuil. Premier jour du deuil, ça implique aussi une discussion, mais la halakha est retenue, que la nuit d'après n'est plus considérée comme le jour d'après. Comme en général dans la plupart des mitzvot, toujours on a la nuit avant le jour. Vous savez bien, Shabbat, on commence le soir, on finit le jour. N'importe quelle fête, célèbre le soir, ça continue le jour. Et des fois, la nuit qui suit, elle est reliée à la journée qui précède. Et des fois, la nuit qui suit, elle est reliée à la journée qui suit. Là, concrètement, la journée, le jour du deuil, c'est un interdit de se laver midoraita. Mais dès la tombée de la nuit, on considère la tombée de la nuit comme le deuxième jour. Le deuxième jour, le Avel n'a plus d'interdit de se laver selon la Torah, juste midérabana. Sur ça, maintenant, vient Rabban Gamliel et va nous expliquer quelque chose de profond. L'interdit de se laver pour l'endeuillé, c'est pour ne pas profiter, ne pas se sentir à l'aise. Il doit être en position où il souffre pour le. Où il partage la peine avec le défunt. D'accord. Il y a toutefois quelqu'un qui souffre de trop en ne se lavant pas. Alors on n'a pas dit de se faire des souffrances hors normes. Du coup. Rabban Gamliel, lui, s'il ne se lave pas, alors apparemment, si on prend la phrase qu'il était trop rafraîchi, trop faible, il avait besoin concrètement de se laver dans l'eau chaude pour reprendre son corps, sinon son corps s'est trembloté et il risquait de tomber malade. Donc il n'est pas en train de se laver pour tirer un profit. Et là, il nous apprend à Rabban Gamliel que lui, qui est donc très fragile, s'il ne se lave pas, il tombe malade. Comme la veloute du deuxième jour, elle n'est que mis de Rabbanan, il a le droit de se laver avec l'eau chaude, tout le corps. D'accord? C'est le principe de la Mishnah. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, quoi, le tout, c'est là.